Hello! Après quelques jours d'absence, oui, quelques trucs à régler niveau IRL, je vous propose de découvrir du Dying Light. On va faire un tout petit bout de stream, mes dispositions sont assez limitées en ce moment, donc on se lève tôt, on est parti, et on rentre dans ce merveilleux jeu de Warner Bros. Studio que nous a propose. Oula, je parle plus la France. C'est très très bien, très très bien. Alors, continuez. Ce jeu m'a déjà quand même bien foutu les boules là. Il n'est pas tout simple, j'ai d'habitude mon pote Jamos qui vient m'aider. Parce que il est beaucoup plus à l'aise avec le de découpage de tête de zombie. Et on va attendre que ça charge. Que ça charge. Hop là. T'as le mec qui va faire. Hello Houston, we have a problem now. Ouais. Je vais pas vous dire de conneries, mais moi j'avais déco dans une zone safe. Et là, il est passé 21 h. Ça veut dire qu'en bas, ça grouille de gros putains de zombies. Des zombies de tarés que je n'ose même pas imaginer affronter. Donc ici c'est bien simple, hein, à partir de 21 h, vous êtes dans la merde quand même. Ah. Tout simplement. Il y a des zombies de ouf. Qui viennent vous arracher la tronche. Alors le système de déplacement en type Yamakasi, c'est plutôt vraiment sympatoche. En tout cas, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Hop. Alors je crois que je viens de me casser les deux rotules du genou supérieur avant-droite. Et c'est la merde. Alors, par où je vais passer, bordel de bordel? Y a des questions. On va réessayer. Donc, il y a des niveaux pour l'agilité, des niveaux bonus pour. Comment est-ce qu'on dit ça? Pour vos points de talent. Plutôt sympatoche, je vous le dis clairement. Améliorer votre personnage pour qu'il combatte mieux, qu'il soit plus rapide, qu'il fasse des tacles. Aïe, 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 aïe. Non, 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 j'ai pas demandé le suicide, gros. Je t'ai pas demandé le suicide. Donc tu descends, tu utilises ce truc. Je sais qu'à un moment donné, il y aura une espèce de tyrolienne où je pourrais m'accrocher pour descendre. Maintenant, date problème, c'est je t'avais pas déjà tué toi hier soir. Ouais. Vous voyez, c'est assez spécial, hein. Couper une jambe. Ah, de couper un bras. Ah, de couper un pied. Ah bah je... ouais. Descends le pied. Descends le pied. Alors la mission, je crois que je l'avais déjà faite. Donc du coup, il y a une espèce de tyrolienne qui permet de m'envoyer en bas. D'autres problèmes, c'est qu'il, comme je vous ai dit, il est minuit. Et c'est pas franchement bien cool. C'est pas franchement bien bien cool, hein, de sortir après 21 h, d'aller sécuriser une caisse, un largage. Alors ça c'est un petit peu système du airdrop, hein. Si vous allez pas assez vite, tout simplement
perdez votre kit. Voilà. Parce qu'il y a un groupe ennemi qui vient et qui vous la pique, donc des personnages non joueurs, mais. Enfin, c'est violent. Maintenant, est-ce que je vais oser. Partir en bas à cette heure-ci. Allez, soyons fous. Au pire. Hey Karim, je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu? La vraie question c'est, tu fais quoi si tu déçois Rice? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Ouf. C'est vraiment pas une bonne idée d'être là dehors. Je gère les boules. J'essaie d'aller le plus possible en hauteur. Je vous dis, hein, on n'est pas... pas rassuré, hein, même en hauteur. Hein. Les monstres là, ils sautent. Ils sautent de partout. Est-ce que j'ai l'air rassuré à la caméra? Non, pas du tout, vous voyez. Espérons que j'arrive à passer cette nuit dehors. Sans qu'aucun animal fantastique ne m'agresse. Ah c'est ça, c'est ces machins là. Mon dieu. Il y en a un juste là en bas. Vous voyez? Ah! La chance c'est qu'un de mes amis m'a filé une épée. Ils ont, je crois qu'ils ont mal avec la lampe UV, vous voyez. Ils ont vraiment mal avec la lampe UV. Wow, 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 wow. Oh. Ils m'ont ruiné, hein. Et là, quand vous mourrez, vous perdez de l'expérience. Bon, c'est la merde, hein. Beaucoup, 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 hein. Oui, 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 oui. Alors, pourquoi j'ai pas utilisé mon flingue? Tout simplement parce que... ça fait trop de bruit. Et ça attire toute la populace. Différents moyens d'attirer les zombies, hein, vous avez vu. Je garde ma torche UV, même si elle a servi à pas grand chose. Mon épée est couverte de sang. Moi j'ai les deux genoux brisés. Le soleil commence à se lever. 5h du matin. Cool, cool, cool.
pour gentiment mettre le nez dehors. J'ai bien dit gentiment. Vous avez survécu. Merci. J'ai l'impression qu'on a fait un truc de fou. Alors il y a du crochetage également, qui est assez pénible, dépend les niveaux. Ah, j'ai cassé mon crochet. Celui-là était un crochetage intermédiaire. C'est pas bien dur. Faut tout ramasser, hein. Tout, parce que... Vous avez rien, quoi. Vous êtes pauvre. J'ai des couteaux de jet militaire. J'ai tout ça dans mes poches. Des plans. Je peux faire un taser. D'accord. Avant tout, je vais faire un kit de soins. Ok. Je sélectionne kit de soins et je fais un shuriken. C'est... Ça va aussi, hein. Oh non, je vais pas faire ça là. Oh, j'ai point de compétence. Le célèbre arbre de talent que je vous disais. Donc à vous de sélectionner les meilleurs combattants, vous gagnez de l'endurance, accès à un nouvel ensemble de compétences de combat. Lancez une arme de mêlée sur vos ennemis, blablabla. On va essayer de devenir un peu plus fort, hein. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis fait déchirer la gale. Alors, les zombies, des fois, ne montent pas sur les toits. Bon, on m'avait dit, ah, les zombies sont trop cons, ils montent pas, t'inquiète pas. Et l'autre jour, je me suis fait plomber la gueule par un qui était plutôt le zombie de Spider-Man que. qu'un zombie normal, quoi. Vous avez vu, vous pouvez vraiment accéder à. Tout dans cette ville, un peu à la Yamakasi, c'est juste énorme. A vous de faire attention de. Oh, ces bruits m'en dingue. Et toi, enfin. Ah, j'ai eu un gros bug. Il y a un petit problème d'optimisation que je n'ai pas encore patché. On vous donnera l'astuce. Quand mon collègue reviendra de chez Morphée. Étant donné que c'est lui qui détient la clé du secret. Du moment où vous avez un sabre, vous êtes plutôt tranquille des journées. Bien dit plutôt. Voilà. Et vous avez également possibilité d'avoir des zones sécurisées comme celle-là. Oula, oula, oula! Pas gentil, viens! Salut! J'ai du poison, c'est quoi, hein? Mais ça va pas le chalet ou bien. C'est plus cool. J'ai encore un gars à des boîtes là. Non, y'a pas de l'air. Bordel, pourquoi? Faut que je sécurise la zone. Ça vous fait au fait un endroit où vous allez dormir, où les zombies peuvent pas accéder. Vous avez accès à votre sac de couchage. Passer la nuit. Vous pouvez également déposer des trucs à l'intérieur. Par exemple, moi j'ai plein de merdouilles comme ça dans mon sac.
des marteaux, des grenades, des couteaux. Étant donné que vous pouvez pas emporter 50 000, c'est plutôt pas mal de les foutre dans la sac. Voilà. Alors, sabre aussi pâtis, non, petit couteau de pêcheur. Alors, batte classique. On m'appelle. Petit couteau exquis, petit machin. Alors, marteau, je vais ranger. Ça, je vais ranger. Ça, je vais ranger. Après, y a mon arme qui commence un petit peu à dépérir. Pas content, les zombies, ils sont pas contents du tout. Mais moi, je m'embrale. Alors, je vais réparer mon épée. Vous voyez, là, elle commence à être un petit peu emmerdée, mon épée, là. Après, n'oubliez pas, vous êtes pas un super héros, donc faut pas faire des jumps de 14 mètres. Ouais, t'es costaud toi? Je déconseille de faire jouer vos gamins quand même, hein. C'est pas. C'est plein. C'est pas un jeu pour les enfants, hein. Faire des trucs sympas comme ça, par exemple. Oula! Tac! Y avait faute, monsieur l'arbitre. J'ai du sang sur mes lunettes, c'est quoi de bordel? Des cigarettes. Ok, je crois que là je devrais être tranquille quand même pour pouvoir fouiller mon viature, hein. Hop là, petit bandage, petit lockpick en scred. Restez. Hop là. Ma souris qui bug, donc ça ne m'aide pas, hein. Ah, porca! Na già la Madonna che passa, oh ciccio! Là, je pète les plombs quand c'est comme ça, hein. Non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Les crochets, tu peux en faire. Oula! Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Mais non, essaie pas de mettre des coups de pied, t'es fou quoi. Putain, j'entends comme des zombies qui arrivent là. Vous attendez aussi? Ah, faut que je remonte ma souris, mais ma souris bug, c'est super chiant là, va falloir que je la change. Un pot de fric, un croisé, je sais pas ce que c'est un croisé. Je sais pas, c'est une boîte avec des messieurs du temps. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. Et ça crie beaucoup, hein. Oh. Ow. Je viens de me casser tout ce qui restait dans mes jambes de beaucoup bien. Oh, t'as sérieux là d'avoir fait des murs comme ça toute ta maison, toi? Ben voilà, hein, je suis niqué, hein. Il y a des barboulés.
je suis à la gare. C'est pas très très cool la gare ici, hein. C'est pas... Tout le monde il est gentil, tu demandes leur... Oh, tu grimpes ou quoi? Oh de Dieu. Eh mais il est crevé mon machin. Sautez. Bien, bravo. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà, il y a ma casse. Là-bas, j'ai un truc vert qui s'affiche. Je sais pas ce que c'est. Je n'ai rien à branler. La visite. Bonjour, monsieur. Alors, ici, je vends du kebab. Est-ce que quelqu'un, doucement, un kebab à la fois, monsieur? Ça va être mon camarade, pas de chocolat. C'était pas le bon plan. Spider-Man. Hop là, c'est bon, c'est réglé. Y'a plus de problème. Spider-Man. Oh merde, c'est pas réglé ça. Oh putain, et c'est où la deuxième tour? Et c'est là la deuxième tour. C'est fantastique, j'ai trouvé la tour sur le GPS. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Putain, quand lui il parle, j'ai toujours peur. C'est sûrement Alexei. Et peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue ces deux-là. Ne lui laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Ouais. Je veux bien entrer, mais je rentre par où, Boudel? Y a tout le look tout shooté. Et si le look tout shooté, elle me touche? C'est ouï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 , hein. Youhou, laissez-moi rentrer. Je suis friendly. Alors. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je vous bute tout de suite ou pas? Je dois escalader la tour. Quelle idée. Pourquoi faire? Pourquoi ouais, faire? Pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Rice? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Si tu veux grimper, très bien, vas-y. Mais tu grimpes, tu démerdes. J'en peux plus. Ras-le-bol. Veux-tu bien parler moins fort? Peu importe si on m'entend. Christophe, t'as perdu la tête ou quoi? J'aimerais bien qu'on reste en vie. Ces types sont des tueurs, papa. Oui, ce sont des meurtriers. Et on travaille pour eux. Oui. Comme ça, on est en sécurité. Exactement. Tu travailles pour moi. Tu ne réfléchis pas assez. Sinon, je te tue. Si tu continues comme ça, on est mort. Je suis un meurtriage. Oh. Fais mon gueule, toi. Quoi de neuf, docteur? Tu viens de te casser la jambe? Là, j'ai passé pour un con quand même, hein, auprès des gens, hein. C'est pas bien. Eh! Ma putain, ma tout grimpe ou quoi? Oula! Ma casse! Oula! Ok, t'as pas envie, quoi. Non mais il est sérieux là mon bonhomme. Il fait de la merde aujourd'hui. Oh mais non. Sérieux mec, si t'es fatigué, fais autre chose de ta life quoi, de tuer des zombies. Purée. Ouah mais non. Boudin. Pas possible. Y'a quoi là? Utilise ton aspect du faucon. La note, c'est bien. Quelque chose à griller dans la maison? Y'a rien, oh bordel. Bravo! Ouh, il a compris comment ça marche.
Non mais t'es sérieux là? Purée quoi. Saute. Bravo. Tu es trop fort quand tu veux. Mio Dio. Bon, ça commence à me saouler un peu là quand même. Un petit peu, hein. Peu ça commence à saouler. Là, j'ai commencé à voir un peu rouge. Super, j'ai une boîte de baseball. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Une boîte de baseball. Tu es malade ou quoi? Voilà. Je suis dans la merde. Parce que l'autre il veut pas ouvrir la truc là. C'est pas gentil. Hein. Monter comme Spider-Man, hein. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Okay, okay. What's going on, man? Hello. I'm friendly, man. Hello. Hello. Funny de Monaco. Ah, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Là, tu peux monter. Je t'explique. Tu mets un pied, après tu mets l'autre. Et ça fait, tu peux monter. Ah oui, hein. Là, par exemple, tu peux plus monter. Là, t'es niqué. Mais pas tout à fait, parce qu'il y a des trucs là, on peut s'accrocher, je crois. Ouais, là tu peux t'accrocher. Là tu peux t'accrocher aussi. Oh le méga bug. Du coup je suis bloqué, hein. Jump. Alors je crois que je suis bloqué, hein. Peu, hein, quand même, hein. Comment faire? Débloquer bonhomme. Tu peux pas. Tu peux pas débloquer bonhomme. Je suis niqué. Complet, je suis niqué. Voilà. Y a plus qu'à faire. Y'a plus qu'à faire quitter, oui, et revenir. Le jeu m'a dit j'ai tunique. Aujourd'hui j'ai décidé j'ai tunique, il a dit le jeu. J'ai dit ok, hein, pas de problème. Il m'a donné le bonhomme, il est fatigué, le bonhomme il sait plus monter. Le bonhomme il reste bloqué. C'est pas grave. Où est-ce qu'il m'a laissé? Ça, c'est la question. Bon, il m'a laissé là, c'est déjà bien. Ça veut dire... On recommence. En essayant de pas être bloqué. Hein. J'ai fait le coin.
Hop, mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Tu fais le con, hein? Tu montes là. Ah, petit effort, bordel. Je t'avais dit de pas manger la concoyote. C'est pas bien, hein, tu vois, t'as mangé la concoyote et maintenant t'arrives plus à monter, hein. Alors, tu grimpes. T'oublies pas, tu as été bloqué ici. Wouah! J'ai fait le con! Putain! J'ai cassé tous mes genoux. Neva, elle est encore moins bien. Alors, hop! Ça, jusque là, c'était bon. Après, là, le tout, il est là-bas. Là, il est le tout. Voilà. J'espère que l'escalade en valait la peine. Bah oui, t'as vu la vue que t'as ou quoi? C'est joli, hein. Il faut que j'arrive à sauter. Ok. Ok. Ouah, t'es nul. Est nul comme garçon, hein. Très très difficile, hein, des fois, hein, de supporter toi. Voilà, tu es là. Ok, maintenant il faut que tu démerdes, hein. Faut que tu démerdes d'aller l'autre côté, hein. On va analyser, hein. Oh, Bawani Gaming. Bawani Gaming, il vient de rejoindre. Je vais aller le rejoindre sur TeamSpeak. Je vous viens, mes copains. Bootmark. Connected. Je vais rejoindre mon copain sur TeamSpeak. Salut, mon copain. Salut, mon copain. Et c'est la merde, hein. Pourquoi tu t'amuses avec un Roumain sur un échafaudage? Je comprends pas. Bah, j'ai le problème. Aujourd'hui, il a dû manger trop de trucs bizarres. Il a des problèmes, il n'arrive pas à sauter. Il se coince dans des trous un peu bizarres. Ah! Je viens encore une fois de tomber. Je vois ça. Hein. Et je galère. Le jeu, en plus, tout à l'heure, il m'a bloqué dans une grille. Il m'a dit non, j'arrive pas là-haut. Alors maintenant, je suis tout en haut de la tour et je suis emmerdé. Je dois monter encore un étage et je sais pas comment. Il est bien chez toi, le jeu. Bah oui, mais faut que tu me donnes le maraboutage. Le maraboutage pour le grain? Bah parce que des fois, chez Kuna, les zombies, ouais, viennent, ils sont 15 à me casser la gueule, déjà c'est la merde. Ouais. Et du coup, oh, ça fige! Et après je reviens, il est en train de me mordre la nuque. Ah mais attends, le truc que j'ai donné à mon Dark, c'est pas pour améliorer le jeu, hein. C'est juste pour enlever le grain. Ouais, mais c'est ce qui fait souvent que ça frise un peu. Ah, je sais pas. Bah, si c'est ça, j'ai plus besoin d'un maraboutage qui me permet de... Ah, je suis mort. Et il a sauté encore en bas de la tour, ce con. Là, il en a marre, hein, un petit peu, hein, ce matin. Je suis encore cassé les deux genoux, hein. Et tout à l'heure, ce Vous putain de pas. Jeu... J'étais ici avec Jamos. Mmh. Et ce putain de jeu, il a pas sauvegardé. Alors ça a fait quoi? Il m'a lâché sur mon autre tour. À 21h. C'est moche. 21h12. 21h12, il se passe quoi? Il y a tous les gros zombies de tarés qui sortent. Oh putain, je me suis bagarré avec les zombies, c'était la merde. Est-ce que toi tu as pris les jeux? Non, j'ai pas pris les jeux. D'accord. Eh ben, on a fait la coop, j'étais content déjà, moi, s'il était là. Il avait un gros épée, hein. Parce que moi j'avais juste un marteau de maçon et c'était pas super. Oh putain! Des fois j'ai Steam qui s'ouvre, le truc pour parler avec les gens, alors que j'appuie pas sur Shift Tab. En plein moment où tu sautes généralement. Voilà.
Là, je suis à nouveau où je me suis cassé les genoux. Joue avec quoi? Clavier? Ben oui, hein. Ouais, clavier. Ouais, ah, c'est un intégral vue FPS. Oui. D'accord. Mais ça me change pas comment je peux pas sauter. Hein. Je sais où je dois aller parce que je vois qu'il y a des trucs pour s'accrocher quelque part en haut, par là, en là, en ça. C'est la merde. Hein. Saute! T'as mangé trop de fromage ou quoi? Putain, je suis bloqué, bah ouais. Je sais pas où sauter. Putain, le con. Je dois aller tout là-haut. Hop là. Et là, chaque fois que je saute, je meurs. Ah! Voilà. Ah! Putain! J'ai plus de vie à nouveau. C'est quoi ce bordel? Voilà, j'arrive là et je suis totalement perdu quoi. Et je sais que j'ai des points de compétence pas utilisés, bordel, pas besoin de me le rappeler hein. Là, c'est pas le moment d'utiliser les points de compétence. Hein. Il faudrait plutôt l'apprendre à utiliser les toiles qui sortent des bras. Pas la Spider-Man. Alors, quand vous dites... Il y a un super jeu, hein, c'est The Amazing Spider-Man. Ben oui, je crois que je vais prendre ça. Hein. Réduit les dégâts occasionnés par les chutes de moitié. D'accord, je crois que je vais prendre ça. Je crois qu'il se fout de ma gueule le jeu un peu. Hein. Voilà, je vais prendre ça comme point de talent. Mais je crois que c'est du foutage de gueule quand même. Hein. Ouais, j'ai quand même des problèmes là. Comment je vais accéder à la tour là? Bordel d'Adèle. Putain, j'ai pas d'idée. Hein. Là, je suis... J'ai pas d'idée. Là, j'ai pas louis idée. Ouais, ça a l'air chaud. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas comment faire. Là, il y a le vide. Là, je peux pas passer. Là, j'ai essayé de m'accroupir, je me suis pété la gueule. Voilà. Et je me casse encore une fois la gueule. Putain, ça c'est blasant par contre. C'est parce que c'est le jeu est pas opti, du coup l'écran The End s'enclenche pas, tu vois. Eh oui, hein. Mais what the fuck. J'ai besoin du service après-vente. Ah! Putain, j'ai bien encore de me casser la gueule. What the fuck. Jusque là, on peut pas passer ailleurs. Là, voilà, et après, parce que si je saute là-bas, il s'accroche. Hein, il s'accroche pas. Je vais me casser la gueule encore. Je vais essayer. Hein. Ah, oula, je me suis encore cassé les genoux et je suis dans une posture très très pas cool. Bon bah je vais encore die quoi. Oh il s'est accroché à la grille ce con. Comment t'as fait ça? Putain ça fait toute la matinée que j'essaye de m'accrocher à la grille. Et une trousse de soins. Moi, je suis le meilleur client des trousses de soins. Il est vraiment chiant ce passage hein. Yamos il serait arrivé, il aurait fait, mais non, bam 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 bam, fini. Tu peux pas t'accrocher là?
Ouais, tu peux pas. Tu te vois handicapé. Hein, tu sautes. Putain, j'ai failli tomber encore. Mais bordel, quoi. Je suis bloqué, bah. Posture là. Mais au moins je suis à l'extérieur. Là par contre si je tombe, ça va être la merde. Ok, je suis dehors. J'ai failli tomber hein. Ah, je suis blasé là. Ah, je suis blasé. Putain, puis y a rien pour m'accrocher quoi. Je vois bien le concept, mais... Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ah, porca puttana. Bon, je sens que je vais faire une autre mission parce que ça commence à me saouler. Je fais que de perdre des points depuis tout à l'heure. Hein, à cause de ce putain de tour de merde. Effectivement, le pavillon où tu pouvais monter. Bah non. Un endroit il doit bien y avoir, ça c'est clair. Jusque là, il n'y a pas le choix de toute façon. Voilà, on se retrouve au même point de merde de départ. Voilà. Là, il s'est à nouveau viandé, ce con. Il veut même plus hein remonter. T'as raison, lâche-toi. Juste à peu près 1000 mètres, con. Et t'as raison, lâche-toi. Purée, quoi.
Ouf. Et là, il veut même plus se crocher, quoi. Oh, maman. Comment j'ai fait ça? Ça doit être un truc tout con quoi, mais... Et là je vois pas quoi. J'ai réussi à monter à l'extérieur, bah. Ok. Alors, vu comment je galère, je pense pas que c'était prévu. Je suis à nouveau à l'intérieur. Putain. Putain, il y a une belle vue, hein. Allez, un petit jump. Putain. Oh. Salut Bafou. J'ai eu quelques petits moments d'absence là. Pas le choix. Hier elle oblige. La preuve, je joue un petit peu le matin. Parce que cet après-midi, j'y suis occupé. Ah mais quel gland, ce machin. Bawani, je déprime. Là je sèche là. Là franchement. Là, joue sèche. Je sais pas. J'arrive à monter sur le deuxième là-haut. Ça fait bam bam par comme par où. Oh Bawani, je m'énerve. Je sens que je vais sortir le pistolet. Ah mais il arrive même plus à se crocher quoi. C'est quoi pour un gland. Ah je vais peut-être essayer autre chose, attends. Mais c'est pas sûr ça marche hein. Ouah mais non mais tête de gland.
n'arrive même plus à se crocher, ce. Bride-moi les touches alors que je suis en train de sauter. Putain. Ah, vas-y, vas-y, saute. Tue-toi là, parce que t'es en train de m'énerver, voilà. Voilà. Vas-y, laisse béton cette mission de mes couilles, mec. Toutes les glandes, cette histoire là, rien qui marche. Allez, nique sa mère à la mission. Oula, il est pas bien le zombie, hein. Il se prend un coup de porte là. Une mission de mes couilles, quoi. C'est quoi, je vais aller faire du carnage en ville, là. Sans me défouler un peu. Messieurs les zombies. Ouais, c'est un stream de gay, c'est pour ça que tu es. Heureux de te voir parmi nous, hein, de te compter parmi la population homosexuelle. C'est vrai que c'est pas facile à 7h le matin de trouver des streams de gay et t'en as trouvé un. Mais je t'en prie, on accepte tout le monde ici, y'a pas de... On n'est pas comme ça, nous, on rejette pas les gens. N'est-ce pas, Barra?
Ouais. Surtout dans ton cas, hein. Hein? Vous ne sentez pas concerné? Ah bon. On a quand même un jour que tu... Parce que ton coming out, ben, je veux dire, là t'es en live, profites-en. Pour te faire ma déclaration d'amour? Non, ça va. Des gens très affectueux ici. Oui, on aime se faire des câlins. N'est-ce pas? Regarde, t'as pas touché des cordes. Ah bah oui. Putain, il m'a énervé quand même l'autre dans sa tour. Hein. T'as de la chance, je peux pas sortir de pistolet. Hein. Bonjour monsieur, c'est tout mort. Alors. Le coffre de la. On va l'ouvrir. Ouh, un Nokia 3310, mec. Attends. T'es pété le snake. Ah, ça va être dur de troller des trolls, hein. Putain. Oula, oula, oula. Ne me touche pas. T'es pas mon genre. Et si on ne peut même plus troller à 8h le matin, quand est-ce qu'on peut troller, hein, voilà la vie, hein. Oula. Le bruit attire des zombies plus virulents. Moi je me casse sur mon toit. Je peux... Ah, il est fou lui. C'est qui le prochain? Où va le monde si on peut plus troll les gens? C'est quoi ce bordel? Par contre, Barra, j'ai envie de te dire, les zombies, ça a pas la même gueule, hein, la nuit. Hein. Ils sont luminescents, oh, ou pas? Yeah. Ah ouais, merci pour ton follow, Aurélien. Nous, on t'aime très fort aussi. Bah, on dirait que là, je fais mumus, tu vois, au milieu des zombies. Je leur tranche la tête, je m'amuse un peu, je m'enfuis pas. La nuit, tu m'entendras faire « Oh putain, y'a un zombie qui me course !» Et je cours. Ouais, perso, le jeu, j'ai envie de te dire, je suis pas déçu d'avoir mis les 40 boules là-dedans, gueule. Ah, je vais casser mon lockpick. Non, 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 non. Même ici, hein, on peut lockpick des voitures. Alors, kit de soins. Il me troll un peu le jeu, quand même, hein. Il me troll un peu le jeu. Ah, il me file des kits de soins et des trucs anti-chute. Il se fout pas un peu de ma gueule, non? Spike, c'est Crane. Je suis devant un bâtiment marqué zone de quarantaine. Ouais. Ça te dit quelque chose? Ouais, faudrait peut-être te casser de là, hein. C'est la zone de quarantaine qui abritait le patient zéro. Oui. C'est là, ouais, que les premiers infectés ont été transférés au début de l'épidémie. Du coup, il doit y avoir pas mal de monde dans la zone là. Casse-toi. Le bâtiment a été abandonné. Il grouille de mordeurs. Il grouille de mordeurs. Et de provisions. Oh oh. Mais même les gars de Rice n'ont pas réussi à y entrer. Mm-hmm. Et. Ah ouais, il sait que je me casse les pattes tout le temps. Même les gars de Reich n'y sont pas entrés. Maintenir la tortue en peluche. Alors je crois que je viens de rentrer dans le bâtiment que je devais pas. Barra, mon dieu. Ils m'ont dit même les hommes super armés sont tous morts. Moi je suis tout seul avec mon sabre. Objectif, récupérer toutes les caisses humanitaires. Difficulté difficile. Mon avis. À mon avis. Dans tous les sens. À mon avis, je vais encore mourir. Et à mon autre avis. Comment tu dis? Merci Skyzard, merci beaucoup. Très aimable. Tu pourrais au moins me soutenir. Bonjour. Je suis friendly.
Ça marche pas? Hello? Suis pas certain, non. I'm friendly. You. Ne pas. Je vais déjà examiner un petit peu la chose. Moi, ça va. Ça va. Il y a le jeu qui me troll ce matin. Je sais pas, il a dû trop faire la fête ou trop bouffer de chocolat. Oh Je sais pas trop. yeah. Thank you, good star, for your follow. Ça le fait en anglais quand même. Hein. Pour ça qu'on galère, nous. Thank you, good star, for your follow. Yeah, quand t'as les I'm mecs. Friendly. Don't kill me, please. La can me play. Ils sont pas très friendly, hein. C'est pas très RP ici, hein. Moi, j'aimerais voir un admin. J'aimerais. Alors écoutez, monsieur, je suis sur votre serveur Dinglight. Est-ce que j'ai pas de serveur Dinglight? Et le problème, c'est que les zombies, ils me trollent. Ah, monsieur, vous êtes trompé de jeu, hein. Moi, je suis d'arma 3, les zombies sont d'arma 3, monsieur. Ah. Et j'ai un autre problème. Il y a un monsieur, il est arrivé sur mon Twitch, il s'appelle Olélian. Il m'a dit, putain, ici, c'est un Twitch de gay. Moi, j'ai dit oui, hein. Ouais, c'est parce que tu mets du rose partout. Moi, j'ai dit oui, hein, bienvenue, hein. J'ai pas compris non plus pourquoi tu mettais du rose PD comme ça aussi. Bah, parce que tu sais que nous, on aime tout le monde. Tu sais. S'ils pouvaient se mettre des oreilles d'Hello Kitty sur le stream, ils le feraient. Oui, hein. Tu sais que nous, ici, Attends. on est très friendly. Je dis ça, mais bon, je suis le premier à mettre du rose partout sur les Et jeux. Alors, toi aussi, t'es un petit peu comme nous, tu vois. Et je sais pédé, j'aime la sodomie. Ah. Ça fait peur. Merde, l'interrupteur est pété. Mais écoutez, les gars, je vous souhaite une excellente matinée sur le tutoriel. Le monsieur, il a dit, merde, l'interrupteur, il est pété. C'est quoi votre jeu de cul là? Vous l'avez craqué ou bien? Ah non, hein, ça c'est. Oh putain! Eh, il y a des problèmes derrière la porte, je vais peut-être pas ouvrir, hein. Bonjour, I'm friendly! Est-ce que. Non, 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 tu passes pas. Oh putain! Je sais pas vraiment si je vais ouvrir la porte, bah. Hein. Non, 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 non! Non! Putain, j'appuie sur F! Ah ouais, il y a du peuple derrière! Ah ouais! What the fuck? Attends, j'ai un rayon laser! Regarde. Merde, je crois que c'était une grenade. Non, c'est quoi que j'ai lancé là? Ah, j'ai une grenade, attends. Merde, la fenêtre elle a pas pété. Le con. C'est écrit dans Battlefield quoi, ça y est. Bah dans Battlefield c'est pareil, hein. Je me tue plus souvent moi avec mes grenades que les autres, hein. Ça change pas. Mais j'avais pas des cocktails Molotov quelque part. ça va, on rigole pas. Hein, ça arrive à tout le monde de se fail. J'aurais rigolé sans répéter la porte. Cocktail Molotov, crafté. À bientôt. Essaye de pas dire à tout le monde qu'ils sont gays. Hein. Certains vont se fâcher à 7h le matin. Hein. Ils sont pas friendly. Hein. C'est mal, t'es décalé, hein. Il est 9h du matin. Ouais, mais moi j'ai des horaires suisses. Alors, je vais lancer cocktail Molotov à travers la vitre. Oh, ça a marché, hein. Bon, c'est en train de brûler la porte, mais. Est-ce que ça a tué des gens? Ah, ça a l'air d'avoir tué des gens. Ah oui, et dedans c'est la fête, hein. Ouais, quoi? Mais t'es. Tu te laisses. Qu'est-ce que ça fait que t'as Molotov? Bah dedans. Oh regarde, ils sont tout noirs les zombies. Oh ils sont tout cramés. Bonjour. Oh merde. Le con. Ils sont tout cramés les zombies. Alors crochetage. Bon bah quand il faut y aller, il faut y aller hein. Même ici je dois lockpick des voitures, bordel. C'est quoi ce bordel? C'est pas RP ça. Alors. Par contre, ils sont comme dans Arma, ils sont pas solides. Hein. Alors, la ah porte ouais. elle. Ah, la porte elle est ouverte. Bonjour. Bon, oula. Eh, oh, 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 on se calme. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Pire. Oh là là, oh là là, oh là là. Chut, on se calme.
Tiens. Oh le bon Dieu. Ah, il est en train de me mordre. Saloperie d'enfoiré. Tu vois, je te coupe la tête. T'en as pas besoin. Tu vois, je te coupe la tête. T'en as pas besoin. Dégage. Hop. Ah. Est-ce que tu veux de la tête de zombie grillé, Sky? Non, je connais la tête, laisse-moi tranquille. Alors, il y en a un là-bas au fond, il fait son timide, je crois. Il veut pas venir participer à la teuf avec nous. Je crois que mon épée, je peux plus la réparer par contre. Alors là, c'est la merde. Alors là, si je dois taper des zombies avec mon petit marteau de maçon, ça va pas le faire. Hein. Est-ce que, s'il vous plaît, laissez-moi réparer mon épée. Je suis dans un coin très pas bien. Ah, là, il y a une caisse. Hop là, 3 paquetages. Alors. Oh, bonjour. Est-ce que c'est ici la mairie? Non? Friendly, mon gars. Oh. Je sais que je suis sexy, mais... Je suis déjà pris, monsieur. Oui, madame, tu es très belle, mais... Non, j'ai une femme. J'ai une femme, des enfants. C'est très aimable à toi. Moi aussi, je t'aime beaucoup. De quoi il parle? Je sais pas. Je crois que lui aussi, il a un peu trop fait la fête. De quoi parles-tu, mon petit bafou? Nous sommes avec toi. Dans les pires moments comme dans les meilleurs, bafou. Tu peux compter sur nous. Mon arme, elle est cassée. Oh, merde. Voilà, voilà. What? Mon arme, elle est cassée, c'est la merde. Oh, oh. Bon bah batte de baseball hein. Monsieur, je veux pas vous faire de mal. Tiens, reste au sol toi. Il est costaud le gars. Il est plus bas que je lui mets sur la gueule, le mec il bouge pas. Ouais je vois ça. Bara, est-ce que tu peux mettre l'adresse du TeamSpeak à... à Bafoumi Allez-moi les gars, je vous laisse. Je l'ai bossé. Puis je vous souhaite un bon jeu. Et t'as de la chance, toi, t'as du travail. Hein. Mais viens en France, mon frère. Je te donnerai des travails. C'est très gentil, hein. Parce que là, le travail de merde à nettoyer où il y a des gens bizarres malades, c'est pas cool, hein. T'inquiète, on ira en Bois-de-Boulogne ou à Vincennes aussi. Comme tu veux. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien quand tu parles de ça. Je te prêterai la camionnette blanche si tu veux. Pourquoi tu joues la blanche? Moi j'aime bien la rouge. Ah la rouge, il n'a plus tant que ça. On va innover, Tribal, on va mettre des roses. Ça j'aime. Avec marqué I love Bawani. Oula. Bon allez, bonne nuit. Au revoir. Les enfoirés. Ouais. Bon, mon sabre il est cassé, je peux plus le réparer. L'objet n'a plus de réparation. Bah. J'arrive même pas à couper TS. Ben non, tu dois rester parmi nous. Hein. Attends, je la TF4. Fin de tâche. Au revoir, messieurs. Dame. Au revoir. Ah, c'est comme ça. D'accord, c'est comme ça que tu le prends, hein, salopard. Alors, sabre, démonté. Voulez-vous récupérer une pièce métallique? Oui, hein. Comme ça, je peux prendre la deuxième batte de baseball, hein. F. Voilà. Apparemment, je peux visiter les toilettes. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a des bruits bizarres dans les toilettes. Putain, même ici, je dois fouiller des poubelles, quoi, pour pouvoir manger, c'est pas possible. Oh.
Où est-ce que je peux passer? Salut Bafou. Oh salut. C'est la merde. C'est toi la merde. Y'a des gens, ils veulent me manger de partout ici. Moi j'ai rien fait à personne hein. Alors, puis maintenant Dieu sait où je dois passer quoi. Amore mio, la 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 la. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Est-ce que je devrais... Ah oui, hein, c'est pas là. Hein. Crochetage difficile, bon. Ah, ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai cassé. C'est bon, c'est ouvert. Un porte-monnaie et du maquillage. Quoi de plus important dans un monde infesté de zombies? Alors qu'est-ce qu'elle raconte depuis la semaine dernière? Écoute, j'ai plus eu le temps vraiment de jouer, hein. J'ai plein de choses à faire. Du coup, je me suis levé vachement tôt aujourd'hui et je me suis dit, bah tiens, avant de rattaquer ma journée chargée, je vais jouer un petit peu à Dying Light que j'ai pas eu le temps de tester. C'est une bien bonne idée ça. Tu vois. Ça me permet de voir à quoi il ressemble. Bah il est balèze hein. Il est ouais, très... Il a l'air sympa. Hein? Il a l'air sympa ouais. Il est pas sympa mon gars, c'est une tuerie. Mais pour l'instant je préfère quand même Arma encore. J'ai eu plein d'attaques cardiaques hein, tu sais. Et c'est vraiment dégueulasse hein, quand tu leur fais des trucs bizarres et sexuels avec ton épée. Hein. Puis alors quand il fait nuit, à partir de 21h, t'as intérêt à pas Merci au Fresh. T'as pas intérêt à sortir hein. Non mais j'ai surtout l'impression que c'est un gros mélange de jeux en fait. Ouais mais là là y'en a pas un qui peut le battre celui là pour l'instant hein. Ah bah après... non mais je veux bien te voir mais ça a l'air d'être putain de mélange de tout ce qu'on connaît déjà quoi. Mais réuni. Bah le truc qu'il y a c'est que là c'est vraiment un jeu fini et c'est pas du... C'est... Ouais c'est pas la même méthode de survie qu'un chien zédin. Salut Opossum. C'est pas la même méthode hein, c'est... à la limite t'as juste du... Comment est-ce qu'on dit ça? De la coop. Il fera nuit dans pour terminer tes campagnes. Alors, quoi que vous fassiez, mais après t'es libre, in-game, de faire ce que tu veux. Ouais, je vois que ça a l'air assez ouvert, ouais. C'est... Bah, tu sais quoi? Je dirais... Sans tenir compte hein, des véhicules et des conneries comme ça hein. C'est un petit peu comme un gros GTA. Tu peux faire tes missions, faire de la coop, ou tout simplement te balader et aller fracas du zombie gun, à tes risques et périls. En même temps, t'as un arbre de talent, des inventaires, des plans, des crafts, des trucs, et puis voilà quoi. Puis tu survis. Et si t'as des grosses paires de coronets, eh ben tu fais ça la nuit. Je peux te dire, j'ai testé le mode nuit, je me suis chié dessus. Hein. Ils sont vraiment, vraiment méchants. Hein. Avec des bons mouvements d'Yamakasi là. Encore du crochetage, mais beau gel. C'est ouvert.
Putain, je deviens spécialiste en couchetage. Comment ça, inventaire plein? Oh, je commence à avoir un peu trop d'inventaire. Bat classique. Ouais. Je peux pas la ranger. Ah non, 8 sur 8. Alors. Tuyau gaz. Petit couteau. Pelle de croque-mort. Putain, j'avais même pas vu que j'avais ça, mec. Ça doit faire mal, hein. Ah, je vais jeter mon tuyau à gaz, tiens. Démonter. Oui. Voilà. Démonter. Oui. Prendre la batte. Ouais. Une lame d'épile. C'est une bonne idée de descendre à l'étage. Bar chocolaté. Ouais. Bonjour. Friendly, mon gars, friendly. J'ai un copain à Barra, hein. Mais tape pas. Oh mec, j'ai trouvé une bouteille de Jack. C'est Dru qui serait content là. Si je lui dis qu'il y a du Jack dans le jeu, il va venir direct. Tiens, Dru l'a acheté. Je suis dans un autre canal le temps d'indiquer un collègue là, je reste sur ton stream. Ouais, y'a pas de problème, mon frère. Ça marche. A plus. À tout à l'heure. User left your channel. Salut madame. Oh, y'a des madames tout nues qui arrivent dans ma chambre. Non, je suis pas comme ça, hein. Je suis pas un homme facile, hein. Or là, tu vois, il est 20h15, Barra. Mm-hmm. J'ai 45 minutes pour rejoindre une zone sécurisée. Ce qui veut dire peut-être nettoyer la zone la plus proche. Sinon, ça va être juste l'éclate, quand même. Parce que les, je te dis, les zombies de la nuit, c'est pas du tout les mêmes de jour, hein. Le soleil se couche vite. Vous avez moins d'une heure pour retourner aux abris. Après, vous serez tout seul. Ils sont pas friendly, hein. Safe. Alors, je dois faire quoi? De sécuriser la zone, ça je sais bien, mais oh putain, tiens, mange ça. La nuit. Oh. Ah, je suis dans la merde. Ah, je suis dans la merde totale. Si je trouve pas comment rentrer. Bah ouais, en fait. Bah ouais. Oh. C'est cool ça, y'a pas de train. Pas, pas de boulot. J'ai des... Oh putain. Ouais, je suis grave dans la merde là. Il fait nuit noire et j'arrive pas à rentrer dans la... Ah, peut-être... Safe zone. What, what? Qui m'a poussé? Un petit speedrunner après, ça vous dit? Un petit peu plus tard, ouais, parce que moi là, c'est la merde. Voilà. Ah! Putain, j'ai plus mon couteau.
Tu l'as acheté combien ton jeu là? Ah celui-là j'ai une clé pour 20 boules quoi. Mais y en avait pas un million des clés. Il est où? Il est où? Il est où? Après j'ai envie de te dire les 30 et quelques euros qui sont demandés c'est pas de trop quoi. Ça le vaut bien. Ah bon? Bah je suis pas fan des jeux de zombies mais après il a l'air pas mal celui-là. Bah le truc c'est que ça change du de tous les concepts, ça veut dire là t'as H1Z1, la survie, machin qui est très bien. Et tout. Et là c'est vraiment un jeu. C'est un jeu fini avec c'est un mode scénario et tu fais ta coop avec tes potes quoi. C'est vraiment balèze. Oh putain, trop la classe. J'ai activé ma zone sécurisée. Et Sky à partir de 21h, c'est la glande hein. Putain, il est là-bas. Comment ça? Bah, il y a des zombies que tu vois pas la journée en fait. La journée, tu te balades au milieu de la route, tu vas au milieu des 60 000 zombies, tu fais le beau gosse, tu les kills. Il y en a 20, tu t'en bats les couilles. La nuit, je peux te jurer, les zombies qui te courent, tu fais oh mon dieu, oh mon dieu. Elle est où la zone sécurisée? Ah ouais, ah ouais. C'est une autre paire de couilles, hein. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Plein de conneries. Je vais ranger en bat. Oh, elle est cassée celle-là. Pelle militaire. Je vais ranger une batte. Tuyau gaz sans la limite. Pelle de croque-mort. Pourquoi pas? Je reviens. Ah tu t'aimes. Couteau de jet militaire. La batte classique là elle est cassée. Hein. Puis là bah il faut dormir Barra pour passer la nuit. D'accord. Bah sinon c'est la merde. Hein. Ah bah là il est 7h du matin, tout va bien. On va partir se promener. A mon avis les zombies ils sont partis. On va quand même aller sur le toit avant de se mettre à se promener. Regardez les objectifs de mission. Allumer le transmetteur, putain ça me fait chier cette quête d'allumer le transmetteur. J'arrive pas à grimper au sommet de la tour. Bah je vais aller là-bas plutôt. Après t'as plein de missions secondaires en fait. T'es pas obligé de suivre à la lettre le... Ah mais nom de dieu de souris, faut que je la change. Non. Ouf. Ah j'ai fait le con hein. Qu'est-il de bon dans le frigo? Salut toi. Les zombies ils sont trop drôles quand t'es chill la gueule. Ça va? Tu t'es empalé tout seul? Ils sont énormes. Alors Yamakazi. Je calme monsieur. Je suis un gentil moi. On se calme. Alors une corde si jamais je dois me pendre. Bonjour. Chez le facteur. Tu grimpes ou t'es fatigué aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive putain? T'es pas bon aujourd'hui hein. Y'a des sacrés problèmes hein. Allô là, Woodo adhésif, cigarette. Par contre, je
C'est pas très bien de faire la promo des cigarettes, hein, pour un Airbrush. Pas tout est très bien. Il y a de l'alcool, il y a des cigarettes, il y a des produits dopants. C'est pas très bien. Hop. Hop. Yamakaze. Ok. Et maintenant je saute où? Ça c'est une zone safe. Ça c'est pas une zone safe. Hop. Bonjour. Comment allez-vous les zombies? Vous avez de la... Hop 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 là, on se calme. J'ai pas de... J'ai pas mon arme qu'il me faut là, je vais pas m'amuser avec vous aujourd'hui, hein, désolé. Quand tu les vois, Barat, t'es mort de rire, hein. Quand ils arrivent pas à... Ils essayent de t'atteindre sur un toit ou une merde comme ça. Mm-hmm. Puis qu'ils arrivent pas. Ils se torchent la gueule, ils s'empalent tout seul contre des trucs. Ils se noient dans un ruisseau. C'est mortel. Tu te prends des barres toute seule au fait. Mec, il est dans la merde, entouré de zombies, il collectionne encore les figurines quoi. Pourquoi pas? Et je trace, je m'arrête pas. Oh oh, j'ai raté le saut. Hop là. Nanananana. Ça brûle, hein. Hop. Oh oh. Ça c'est la mette. Oh oh. Et vous approchez d'une zone inactive. Il faut sécuriser. Et Klux, je veux pas sécuriser tout de suite, hein. Y'a safe. Ouais, mais il y a beaucoup du monde là. Nettoyer les secteurs et... Ah, je vais prendre une bouteille de gaz. Et je vais leur balancer sur la gueule. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, je vais balancer sur la gueule du zombie. Tu es où? Montre-toi, mes créas. Ah, tiens. Oh putain. Tiens. Tiens, m'écrire. Bonjour madame. J'ai juste de visite. J'aime pas trop quand ça crie comme ça. Tétanisé. Normal, le mec il se balade avec des fusibles. Zone sécurite. Très très bien. Ah. Bonjour Bafou. Je te fais un bisou. On reviendra te dire bonjour, t'inquiète pas. Hein. On n'est pas comme ça, nous. Hein. Putain, il est où le down shop? Oh. Putain, c'est là-bas, bah ouais. Achète le jeu, viens m'aider, putain. Qu'est-ce que j'ai comme arme par là? Pas grand-chose, bordel. Bah oui, hein, moi je suis... Bah oui, hein, je suis un copain à Bafou. Qui n'est pas copain à Bafou, dites-moi.
Il est gentil ce monsieur. Du coup c'est pour ça, hein, il faut aller jouer sur son serveur Arma, hein, les gars. On a besoin de monde, hein. Très très bon serveur, hein. Très gentil admin. Oh, putain. Bah fou, j'ai plein de... Plein de nénettes là à poil, elles me disent il est où Bafou. Du coup elles veulent toutes m'embrasser à ta place. Ah oui hein. Regarde, toutes les filles en soutif là, elles me sautent toutes dessus, elles croyaient. Ah Bafou, j'ai dit non. Ça on s'en fout qui c'est qui t'apprécie pas. Celui qui apprécie pas Bafou, on dit comme ça. Oh mon dieu, il a fait des gros doigts dans le Twitch. Il va se faire bannir. Mon dieu. Regarde, il y a elles ont toute une colonie pour toi, Bafou. Elles m'ont ruiné tellement elles voulaient de toi. Bonjour madame. Alors, je ne suis pas Bafou, je t'ai dit Podel. Oh putain, qui vient de se suicider. Ouais, Bafou, on t'aime. T'es méchant Bafou, hein, tu pourrais être gentil avec ces mesdames. Hein. Elles te sont toutes reconnaissantes. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Sale, hop hop hop, madame. Mesdames, je ne suis pas Bafou. Tu dégages. Tu dégages. Ah ça c'est gentil hein, merci beaucoup Bafo. Et moi je lâche ton numéro de téléphone à ces demoiselles qui ont l'air très chaudes. Hein? On fait comme ça. On fait 50-50 hein. Toi tu fais la pub, moi je lâche ton numéro hein. Putain en plus c'est même pas le bâtiment que je dois sécuriser. Bah écoute, trouvez mieux là tout de suite, j'ai pas trouvé grand chose hein. Ils ont tous un peu la même tête hein. Eh mais elles sont chaudes mon gars hein. Tu peux pas faire mieux, hein. Je suis obligé d'en mettre des coups de bâton dans la tête pour les calmer tellement elles en veulent. Bonjour madame. Regarde, y'en a... Là, celle-là, elle est sexy pour toi, celle-là. Bonjour. Tourne-toi. Bonjour. Est-ce que tu connais Bafou? Écoute-moi. Est-ce que... Ah. Ben... Elle en a perdu la tête, Bafou, hein, je suis désolé. Navré. Ah, il y en a une. Ah, il y a sa sœur. Bonjour. Ah, tiens, recule. Je veux te parler. Oula. Ah. Attends, mais tu sais quoi? Envoie-moi le lien sur. Enfin, je sais pas si je le vois. Si tu mets le lien, tu vas te faire ban là. Je sais plus comment te donner les droits. Pour que tu mettes les... Pour que tu mettes les liens. Il y a un monsieur qui se fait manger. Au pire, tu viens 3 secondes sur TeamSpeak et tu me le sends. Ou si t'as les 3 W, je crois que ça marche. Ah bon? Pas dire de bêtises. Il y a un monsieur, il se fait bouffer dans la rue. Ouais, laissez-le tranquille, tacle. Merde, j'ai raté mon tacle. Regarde, para. Tacle. Ah là, il a été time out. Yes. Parce que t'as été time out. Tu viens de me dire de venir en plus avec le décalage. Ouais, tu viens de nous dire c'est mon truc de venir. Merci. Je vais vous dédommager. T'as vu, elles étaient chaudes là, hein, Bafou. T'as pas les nénettes que tu me gardes, c'est quoi? Ah, tu peux pas trouver moi, mieux là. Je lui ferai pas confiance. La prochaine, je préfère que tu joues à Tomb Raider quand tu me gardes une nénette. Hein. Écoute, là, je pouvais rien. Elle me faisait comme ça. J'entendais. Bafou! Bafou! J'ai dit, oh là! Elles ont l'air assez avenantes.
Putain, mais en tout cas, elles sont chaudes, mec. Ouais, un jour de carnaval, je vais même regarder. Elles en redemandent, hein. Le jour d'Halloween, tu vois, t'en gardes une, t'as pas besoin de lui demander de ce qu'il met, tout ça. Elles ont une bonne odeur en plus. Les petits gars qui t'ont envoyé. Ouais, je vais aller voir, je me mets juste dans un truc sécurisé, donc sur un toit. Et Bara, tu lives toi aussi, Bara? Non. Enfin, pas là tout de suite. Non. Non, mais en général. Ouais, en général, ouais, avec lui. Bah, vous pourrez utiliser ce que j'ai envoyé à Tribal, s'il connaît pas, c'est juste magique. Tu vais voir. J'y vais regarder. Ça, il y a deux jours. Si c'est de la magie, je veux bien. J'utilise tout le temps depuis deux jours. Stream of Bafutupi. C'est what ce truc? C'est un site pour héberger jusqu'à je sais pas combien de lives en même temps. J'ai vu ça il y a deux coups là. Et deux, voilà, moi je fais rien sur mon live. Mais on peut héberger deux lives comme on peut en héberger 7 en fait. Ah la classe! Ouais, c'est génial. On peut avoir le petit chat en dessous. Et là en gros, tous mes viewers qui vont venir sur ce truc là pour me regarder vont aussi venir sur le tien par la même occasion, tu vois. Ah, t'as mis la petite fenêtre en haut à gauche qui permet de voir d'autres streams en fait. Bah, la fenêtre en haut à gauche, oui, c'est non, c'est une capture de vidéo, du coup on voit ton stream dessus, c'est normal. Bien sûr. Ça, c'est parce que j'ai pas commencé vraiment mon live là. Mais tu vois, on te voit à droite, si les gens. C'est en fait, c'est un raccourci, c'est comme si t'avais deux pages de Twitch vraiment. Tu vois, t'as les commentaires en bas. Tu peux muter ou éteindre vidéo sans éteindre la mienne et inversement. Ça, c'est vachement balèze. C'est énorme. À gauche, il y a un petit menu, ça dépend du nombre de mecs que t'as. Mais tu vois, par exemple, à 2, on peut avoir. Tu cliques en haut à gauche sur 1-1 et le C à droite, ça veut dire que t'auras les deux vidéos en grand et le chat à droite. D'accord, en fait, c'est un système de hosting, mais à plus de 2 quoi. Voilà. Et ça peut autant te servir par un multi-live que pour toi-même regarder plusieurs lives qui t'intéressent. Ouais, pour un multi-live, wow, mon gars. Ça pourrait être génial, ça. C'est génial. Alors, vous voyez, on peut voir les vidéos en. Par exemple, si on clique sur le 1-1 avec les deux C en dessous, c'est pour avoir les deux chats. Si on clique sur le premier 1-2 avec le C en haut à gauche, vous voyez la bannière en haut à gauche là. Ouais. Voilà, si on clique sur le premier, par exemple, on n'a plus qu'un chat. Mais en bas à droite, en cliquant sur Bafutupi, on peut choisir le chat de Tribal. Et les anciennes données restent dedans. On peut continuer une conversation en n'ayant qu'un seul live, par exemple. Enfin, en n'ayant qu'un seul chat, parce que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, tu dois rediriger les gens sur ce. Bah, moi. Sur ce lien-là, quoi. Voilà, quand je l'utilise, je redirige les gens dessus. D'accord. Hier, on a fait live sur notre serveur, par exemple. Ouais. Là, donc les mecs, enfin. Les gens avaient un film de 4 yeux différents, quoi. Ah, c'est chouette, ça. Franchement. C'est juste magnifique. Les mecs, c'est encore mieux qu'un film. Salut, opossum. Bah, les gens, ils ont vraiment 4, 5, 6 points de vue différents par rapport à l'action RP en cours, quoi. Mais même s'ils en ont que 2, parce qu'évidemment, ça prend. Même si les vidéos sont plus petites, ça prend de la co, quand même. La ressource, ouais. Mais ça, c'est pas très grave, au bien. Parce que justement, comme j'ai dit, tu peux en couper une, en mettre une autre, t'es pas obligé. Bon, moi souvent, si j'étais gourmand, mais t'es pas obligé de mettre 4 vidéos s'ils jouent pas au même jeu, ou tu vois ce que je veux dire. Et si vous voulez en créer un bout, vous avez juste à enlever tout ce que j'ai rajouté jusqu'à multi-stream. Vous gardez le lien avec multi-stream. Et vous pouvez vous-même mettre les vidéos que vous voulez en fait, il y a vraiment. Vous voyez, vous gardez juste ce lien là et vous pouvez le configurer à souhait. D'accord. Okay. Alors, et ça, c'est cool. Comment ça marche. Mais je sais pas comment ça marche. On a un expert en com qui trouvera. Ouais. C'est juste, je trouve, comme concept. Quoi, j'ai dit un truc gentil, merde, tu vas pas m'en vouloir, non? L'expert en com, hier, je lui ai donné une machine qui est un AMD 64 là. Tu lui as filé un PC? Ouais. Il arrive pas à le faire tourner. Alors c'est pas encore aujourd'hui, je crois. C'est pas encore aujourd'hui. Pour faire tourner, enfin, pour qu'il arrive pas à faire tourner quoi? Il arrive pas à allumer le PC? Non, chaque fois qu'il met un disque dur, ça met host not found ou
Driver not found, il a vraiment il a tout essayé hier. Je sais pas. Bon, j'ai peur qu'il vienne sur TS et puis je file un coup de main. Mmh. Bah. Il est reparti. Oh. Bon, moi je retourne à mes affaires, je reviens faire du coup. Merci mon chou, hein. À tout à l'heure. À tout. Bah, tu vas bosser de toute façon, toi, Tony. Je vais amener ma soeur à midi et quart chez le tatoueur là pour qu'elle finisse son tatou du dos là. Donc je viens d'avoir pour un bout de temps. Tu aurais pris. Tu l'emmènes et tu l'attends. Ouais bah ouais j'ai pas le choix parce qu'il y a la neige, ici il neige comme pas possible et elle est pas à l'aise sur la route quoi. Mais ça roule. Bah si ça dure du temps je pense que t'aurais fait aller-retour mais ça dépend où est le tatoueur. Il est quand même à 35 minutes d'ici quoi, c'est pas énorme mais bon pour faire de l'aller-retour à 35 minutes ça fait chier quoi. Ouais, puis non, t'as raison. Je m'arrête, je bois un café. Rester avec elle le temps de son tatouage et tout. Bah avec un peu de chance, ça va me plaire son tatoueur. Et je vais lui donner mon projet c'est quoi. C'est de la chance que le tatouage quand on s'y met, hein. Quand on s'y remet ou quand on s'y met. Bah c'est s'y remettre en fait. J'ai deux projets à faire. Je veux reprendre mon bras gauche vu que j'ai déjà le bras droit puis le dos quoi. Mais je trouve rien d'intéressant, on dira pour le moment. Je suis un peu zarbe pour ça. Oh, oui, il a fallu que j'attende le tueur pour trouver le tatouage, moi. C'était l'inverse. Aïe. Feu. Bah celui qui m'a fait le bras droit, il vient d'Ibiza, mec. Donc je peux te dire, j'étais loin. Non, mais je veux dire que moi, tu vois, j'avais pas d'idée. Il a fallu que je trouve un tatoueur assez spécialisé dans un truc pour me mettre à me dire, ah tiens, lui, j'ai trouvé le gars qui allait me faire un truc sympa, tu vois. Allez, après, il faut avoir le feeling. Faut voir un petit peu ce qui se fait, moi c'est généralement sur le coup quoi. Ah c'est ça. J'aime pas prendre faire le projet, regarder machin, voilà. Moi j'arrive chez le tatoueur, je regarde un peu ce qu'il fait, j'ai un petit peu à peu près mon idée en tête et le coup de cœur il vient pas quoi. Ma soeur pas. Moi j'ai la phobie des aiguilles en plus donc je t'explique pas. Ça, j'adore le tatouage mais j'ai la phobie des aiguilles, cherche l'erreur quoi. Surtout qu'une aiguille ça va, quand on voit qu'une fois, avoir la phobie d'un truc qui te pique qu'une fois ça va. Mais les tatouages c'est pas comme s'ils faisaient 500, 1000, 10 000 fois les coups d'aiguille. T'aurais dû voir ma gueule mec sur le tatouage du bras droit, ça a pas pris long hein. Ça a pris une heure. Mais qu'est-ce que j'en ai chié quoi. J'étais là, oh mon dieu je transpirais. Mon pote à côté, il est couvert de tatouages, il discute avec moi. Ça va, Filou? La forme, longtemps pas vu, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et moi, je transpirais. J'avais juste envie de lui dire, mais. Et moi, je souriais, je lui faisais. Ça va bien? Ouais. Non, ça va, c'est pas trop mal. Ah putain. Aïe aïe aïe. Putain, c'est la merde. Eh, hey, je peux fabriquer un briquet. C'est cool, ça. Non, la vraie merde, c'est qu'il y a un mec qui me demande de lui expliquer comment se servir d'OBS à travers mon live. Ça va être compliqué, monsieur. Hein. Il faut pas aller en live. Hein. Il faut aller sur son serveur Arma. Et là, il t'explique tout. Et là, je t'explique en direct. En RP, mon gars. En RP, il te fait tout, le mec. Il te fait comment faire du pain, des frites, des pâtes. Mais c'est good là qui savait pas. Il m'écrivait sur mon chat, il savait pas que le host fallait aller chez toi pour t'écrire. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est pour ça que je t'écris ce qu'il avait dit un peu. On fait tous des conneries, hein. On fait tous des conneries, regarde, je suis perdu sur l'autoroute, moi. Il y a le président qui me demande à quoi tu joues, il était sur le double live. Alors René, si tu m'entends dans 30 secondes, il joue à quoi déjà? À Dying Live, Dying Light, pardon. Dying Live. C'est vrai qu'on le voit en haut, à gauche de la vidéo, comme sur Twitch TV. En fait. C'est assez violent comme machin. Je t'ai fait un joli agrandi des tripes qui sortaient de la tête. Tu veux tout ça, René? Bientôt dans un serveur comme ça là, Arma, il s'appelait. Arma Light Gaming. Avec des zombies, des humains et on met des glaces. Ah ouais, un Arma zombie quoi. Je vais aller voir s'il m'a entendu sur live. Yes. Enfin, moi j'ai des points de compétence.
Ah. Réduis les dégâts occasionnés par la chute, ça c'est fait. Utilisez des armes de jet ou la torche UV tout en regardant derrière vous pendant un sprint. Non. À mesure que votre corps se renforce, vous pouvez régénérer votre santé. Oui, ça, ça me plaît. Combat. Coup puissant qui affiche des dégâts énormes, mais utilise davantage d'endurance. Maintenez, puis relatez, puis pour écouter, blablabla. Conversion des armes. Après, utilisez vos armes de plus efficacement. Les armes de combat rapprochées s'abîment beaucoup plus lentement. Oui, ça, ça me plaît. Vu les castagnes que je mets. Bah Wani, c'est la merde tout seul ici. Je suis perdu, hein. Il y a des gens de mauvais augure, ils veulent me manger, hein. Ah ça y est, t'as fait un adep là. Ah ouais, je le conseille vivement. Et après tu peux jouer en coop jusqu'à 4 personnes en coop. Et il y a un gars qui peut jouer les zombies aussi. Et il y a des putains de zombies de mes deux là qui font un très très bobo. Ouais, le jeu, je pense qu'il est trop gourmand pour mon PC, je pense. Ça dépend, t'as quoi comme comme machine. J'ai un truc, c'était juste. C'est la machine juste après le Minitel. Ah ouais, quand même. Juste après, toi, la première technologie qui marche au courant et pas au vélo électrique. Moi ça va, j'ai petit chinois, les pédales derrière ma maison, y'a pas de problème. Non, c'est ça, j'ai un PC. C'est pas un truc de ouf, loin de là. Et aux images que je vois. T'inquiète, j'ai un PC, il fera pas tourner au minimum The Witcher 3, tu vois. Être obligé de le prendre sur console, le machin. Et dire que ma machine, elle a 7 ans, les gars. De toutes les boutiques d'Arabie. Ouais, mais t'as racheté des trucs dedans, non? Ah bah j'ai foutu, moi j'ai acheté le directement le Pro 6-7, mais c'est un 2600, hein. Bah ouais. Faut, moi je continue à dire, il faut, quand vous achetez quelque chose, il faut vraiment acheter pour que ça dure. Si vous pouvez pas acheter d'un coup parce que c'est trop cher, il faut acheter pièce par pièce et attendre, quoi. Bah c'est ça, moi j'en ferai plus l'erreur, hein, de toute façon. Militaire, mais j'ai déjà l'appel militaire. Pourquoi tu veux me vendre de la merde, toi? Allez, dégage. Je te parle plus, toi. T'es pas mon copain. Je vais fouiller les armoires de ta maison. Aérosol, corde. Ouais. Puis c'est tout? T'as rien d'autre à me proposer? C'est du matos haute qualité que je propose. Ouais, du matos haute qualité, mon cul, ouais. Il est tout cassé ton matériel. Moi je vais aller faire un petit tour d'avion de chasse, allez. Ah c'est bon ça. Vous me conseillez le Buzard ou le Wayout? Le Wayout. Le Wayout il est vraiment merdique à conduire, hein. Bah je suis d'accord. Il est moins puissant et tout, mais je sais pas pourquoi je le trouve plus... Il est différent, c'est vrai. Je vais le prendre d'ailleurs, allez. Moi j'ai quelques problèmes avec cet avion. Je vole tout droit, c'est nickel. J'essaie de tourner, je suis mort. Non, moi ça va, c'est que tu commences à être près du sol, il faut vraiment la jouer. Enfin... Et c'est bizarre parce qu'il a des réacteurs énormes et pourtant il va vachement moins vite que l'autre. Donc je pense que ça doit être. Ça doit jouer sur l'aérodynamisme. Tu... Ouais, mais c'est un truc voilà où quand tu vas pas vite, si tu. Tu peux mieux gérer le véhicule. Alors que l'autre déjà quand t'as. Comment dire. L'autre déjà quand t'es à 150 ou 200, déjà il te dit que tu vas pas assez vite, tu vois. Alors que lui, avec lui, tu voulais à peine 100 sans qu'il y ait de problème. Ouais, les deux sont à prendre en main, hein. Tout ça, il faut que je m'en serve, hein, quand on fait des interventions GIGN armées. À coup de Buzard, quoi. Bah, tu sais pas ce qu'on vient de mettre aux rebelles comme véhicule. Là, René, il a refait des mises à jour de fou, là. Et il a mis quoi? Je préfère pas t'en parler. Oh merde. Bah, je regarde. Que les gens soient assis. Ah, je trouve bien décontracté, là, c'est le matin pour toi, je veux pas te... Pas me faire des coups de cœur. Tu vas commencer à farmer, puis tu vas pas emmener ta sœur. Bah Bouliné... Tu vas commencer à vouloir vendre tes lapins. Bah Bouliné, il veut juste vendre des lapins. Il a rajouté une mise à jour qui peut faire que tes lapins, tu peux les vendre beaucoup plus cher maintenant. Ah bon?
La drogue se consomme. Ouh. Et si tu vends lapin, tu vends une pâte, une viande de lapin plus une bouse, ça y est, tu l'as ton commerce, toi. Bah c'est clair, viande de lapin plus un truc de drogue, et puis c'est réglé, quoi. Quasiment toutes les drogues se consomment, et je te dis les effets pour l'instant, parce que c'est juste une patate atomique, ce qu'on a. C'est pas, tu trouves pas ça à Amsterdam, je te le dis. Ah ouais, ça y est, là, je vais mourir. Je suis en train de faire ce qui marche. Voilà. J'ai tellement de mal à me redresser que je vais mourir. Enfin, moi, je vais pas mourir, mais l'avion, si. L'avion, il va... Oh, putain. J'arrive à me poser. J'arrive à me poser. Oh oui. Oh, ouh. Oh, non. T'as réussi à te poser? Non. Non. Oui, j'ai réussi. Oui, je suis posé, quoi. Mais en catastrophe. Ouais, si j'avais pas le god mode, ça serait pas passé pareil. Donc heureusement qu'on m'a dû te plonger et anti-flamme. Non, mais on a rajouté... J'entends le président se montrer. Ouais, t'en as pas marre de détruire les véhicules du gouvernement. Ah, c'est pas bien, hein. Ils vont plus te donner de crédit, hein, pour acheter des avions. C'est rigolo d'entendre ça d'un mec qui savait pas il y a encore deux jours qu'il y a pas de... il y a un pilote automatique pour poser les avions. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable le pilote auto, hein. C'est quand même le même mec qui avait mis les avions de chasse à 1$, qui croyait que c'était des trucs pour se cracher juste pour s'amuser, il savait pas qu'on pouvait les poser tranquillement, quoi. Oh putain. Alors qu'il se moque de moi, je veux bien. Mais il me fait rigoler. Président, si tu me regardes, je te salue. Avec 30 secondes de décalage. Je vais te montrer comment je pilote vrai avion, parce que là j'ai sorti le voyou. Putain, Barra, j'ai besoin de toi. Il y a des gens tout en feu, tout méchant. Là, c'est quoi ça? Et tu te calmes? Je viens de mettre une petite frappe aérienne. Je cours, Barra. Les gens, ils veulent me faire du mal. Ah, rien qu'un truc magique, ça, je veux bien te le dire à l'avance, que même les serveurs modés, ils, en général, ils l'ont pas. Il a rajouté les boules qui est. Ah. Elle rigole, mais c'est magique ce truc. Puis sur un raccourci, et t'as plus à baisser ton son à chaque fois que tu montes dans un véhicule bruyant et tout. Rien que pour ça, je vais aller dessus. Ça, c'est top ça. Là, rien que ça, c'est la vie. C'est des serveurs qui modés même qui l'ont pas ce truc là. J'avoue. Ce truc là, normalement, Bohemia n'est pas, entre guillemets, n'est pas d'accord parce que eux ils ont fait exprès que les véhicules couvrent les voies, tu vois, pour le réalisme. Eh ben René, il a trouvé un truc fait que, voilà, il a trouvé les boules qui est, quoi. C'est génial, ça. Ça, je trouve ça juste. Vous vous rendez pas compte comment je suis frustré maintenant sur un autre serveur. Même sur le jeu, quand il démarre, j'essaye d'appuyer pour baisser le son, et ça marche pas, je me dis, ah putain. C'est vrai que ça marche que sur le serveur. Ah bah. Ça, c'est clair. Bon, et puis vu qu'il a rajouté, bon, je vais pas vous mentir, il a rajouté une dizaine de chars aux flics. Des chars, quoi. Donc même si tous les flics passent s'en servir, on a à faire un gros blindé aux rebelles au cas où. Un truc qui pourrait être enlevé si je suis mal utilisé, quoi, mais pour l'instant on donne. On verra si on fait pour l'instant on donne. Il y avait les crafts quand vous êtes arrivés. Je suis dans la merde, mec. Non, sérieux, là, je suis dans la merde royale. Il y a des zombies qui arrivent à monter, quoi, sur le toit. Vas-y, bah, craft une MK200, mec. Bah, j'aimerais bien. Prends-moi. Ah, on a rajouté la bourse aussi, ouais, ça c'est important, ouais. Ouais, ça c'est super, ça. Zaz est important, hein. Harry, à terme, elle va être un peu spécialisée pour plein de choses, mais pour l'instant, c'est une course normale. Après, chaque chose en son temps, hein. À part qu'elle a monté un peu de tout maintenant, les tortues, tout ça, ça peut devenir intéressant, quoi.
tu veux, si tu rencontres un braconnier, que tu fasses une recette spéciale. Lapin soupe de tortue weed. Hmm. Lapin soupe de tortue mette. Ah, ça, il faut que je demande à ma grand-mère comment elle faisait. Ah bah faut que tu regardes le stream là, pour voir le zombie qui vient de se jeter d'un muret. Tu vas pleurer. Ah bah non. Rien que pour ça, c'est pas terrible, gros. Le mec, il veut enjamber le muret, il est obligé de faire une culpute, quoi. J'adore. J'adore. Là les items qu'il y a dans son truc là. Ah je voudrais avoir un PC de ouf rien que pour faire de l'avion correctement quoi. Tu m'étonnes. Rien que pour avoir des putains de FPS, pour voir la map en entier, aller à 1000 à l'heure sans problème. Putain. Tu parles de PC là, de là, ouf. Je suis en train de conduire les gars, j'ai au maximum j'ai 13 FPS. J'étais en train de regarder la GTX 960. La petite dernière d'Nvidia. Elle est déjà en dessous des 190 euros, quoi. Ça va. En perf, elle est un poil au-dessus de ta 280X. Mais bon, elle est en dessous, elle est à 189. Là. Pourquoi tu veux me faire du mal comme ça, Barra? Bah non, mais toi, tu l'as depuis combien de temps, on va dire ça? Un an et demi? Bah oui. Voilà, quoi. C'est pas grave, hein? Bah non. C'est méchant. Bah allez, on joue FP. T'as pas fait un flé, hein. Par contre, les i7 ils veulent pas baisser. What the fuck, batte de criquet quoi. Ok, pas de problème. Produits chimiques, marteau de maçon, clé réglable rouillée, clé à griffe, tuyau à gaz rouillé. Alors, je vais le prendre, je vais le démonter. Inventaire plein, putain. Alors, clé rouillée 29. Donc, démonter. Oui. Oh, calme le chat là. Ouais, mais tu veux que je te mette une. Ah, j'ai un chat, il a à peine un mois là, mais c'est une putain de boule de nerf. J'ai compris, un chat. Hein. Un chat. C'est un chat, c'est un chat, yeah. C'est un chat, mon gars. Fais élevage pour.